كيف نقول لقد بحثت؟ يعني لقد فتشت في كل مكان للعثور على دفتر شيكاتي، لكنني أخشى أن أكون قد أضعته. Oui, très bien. J'ai cherché partout pour retrouver mon chéquier, mais j'ai peur de l'avoir perdu. J'ai cherché partout pour retrouver mon chéquier, mais j'ai peur de l'avoir perdu. On peut dire aussi, j'ai fouillé partout pour trouver mon carnet de chèques, mais je crains l'avoir perdu. Je répète, j'ai fouillé partout pour trouver mon carnet de chèques, mais je crains l'avoir perdu. On a le verbe fouiller, معناه يفتش يعني يبحث. On a aussi le verbe craindre, معناه يخشى. J'ai fouillé partout pour trouver mon carnet de chèques, mais je crains l'avoir perdu. الآن أصدقائي، كيف نقول أنا لم أوافق على الإطلاق، لكن كان علي القبول ولم يكن لدي خيار؟ Oui, très bien. Je n'étais pas d'accord du tout, mais j'ai dû accepter. Je n'avais pas le choix. Je n'étais pas d'accord du tout, mais j'ai dû accepter, je n'avais pas le choix. On peut dire, je n'étais pas du tout d'accord, mais j'ai dû accepter, je n'avais pas le choix. C'est la même chose. الآن كيف نقول علي أن أتذكر أن أتصل بوالدتي وإلا ستقلق أو وإلا سوف تقلق. نعم أحسنت. Je dois me rappeler d'appeler ma mère, sinon elle va s'inquiéter. Je dois me rappeler d'appeler ma mère, sinon elle va s'inquiéter. On a le verbe rappeler, معناه يتذكر. كذلك قد يعني الاتصال مرة أخرى. ولكن في هذه الجملة جاء المعنى يتذكر. Je dois me rappeler d'appeler ma mère, sinon elle va s'inquiéter. On peut dire aussi, je dois me rappeler d'appeler ma mère ou elle va s'inquiéter. C'est la même chose. جملة أخرى، إذا أقرضته نقودا فلن يعيدها إليك أبدا. نعم أحسنت. Si tu lui prêtes de l'argent, il ne te le rendra jamais. Si tu lui prêtes de l'argent, il ne te le rendra jamais. On a le verbe prêter, conjugué au présent de l'indicatif. لدينا فعل يقرض مصرف في الحاضر. On a aussi le verbe rendre, معناه يعيد, conjugué au futur. Si tu lui prêtes de l'argent, il ne te le rendra jamais. الآن كيف نقول هم حاولوا مساندته عندما كان لديه مشاكل؟ Oui, très bien.
Ils ont essayé de le soutenir quand il a eu des ennuis. Ils ont essayé de le soutenir quand il a eu des ennuis. On a le verbe essayer, معناه يحاول. Aussi, on a le verbe soutenir, معناه يساند أو يدعم. Les ennuis, معناها المشاكل. Ils ont essayé de le soutenir quand il a eu des ennuis. On peut dire aussi, ils ont essayé de le soutenir quand il a eu des problèmes. On peut dire aussi, ils ont essayé de le soutenir quand il avait des ennuis. جملة أخرى. في الواقع لقد ضيعت وقتي معهم. Oui, très bien. En fait, j'ai perdu mon temps avec eux. En fait, j'ai perdu mon temps avec eux. En fait, معناها في الواقع قد تعني كذلك في الحقيقة. Et on a aussi le verbe perdre, معناه يضيع. En fait, j'ai perdu mon temps avec eux. الآن كيف نقول هو يشبه كثيرا والده؟ تذكرون أصدقائي فعل يشبه كنا قد رأيناه سابقا. نعم أحسنت. Il ressemble beaucoup à son père. Il ressemble beaucoup à son père. On a le verbe ressembler, معناه يشبه. Il ressemble beaucoup à son père. Une autre phrase. لقد أمضينا بعد الظهر يعني فترة الظهيرة جالسين نتحدث بدلا من إنهاء عملنا. Oui, très bien. Nous avons passé l'après-midi assis à discuter au lieu de finir notre travail. Nous avons passé l'après-midi assis à discuter au lieu de finir notre travail. On peut dire aussi, nous avons passé l'après-midi assis à parler au lieu de finir notre travail. مثلا إذا أردت أن أقول أنا آسف لإزعاجك لكن أنا بحاجة أن أسألك شيئا. Oui, très bien. Je suis désolée de te déranger, mais j'ai besoin de te demander quelque chose. Je suis désolée de te déranger, mais j'ai besoin de te demander quelque chose. Je suis désolée de te déranger, mais j'ai besoin de te demander quelque chose. Une autre phrase. هو يشعر بالأسف لعدم تمكنه من مساعدته. Oui, très bien. Il éprouve le regret de n'avoir pas pu l'aider. Il éprouve le regret
de n'avoir pas pu l'aider. On a le verbe éprouver, معناه يشعر. Le regret, يعني الأسف أو الندم. Il éprouve le regret de n'avoir pas pu l'aider. On peut dire aussi, il regrette de ne pas pouvoir l'aider. Il regrette de ne pas pouvoir l'aider. Ici, on a le verbe regretter, معناه يأسف, قد يعني كذلك يندم. Il regrette de ne pas pouvoir l'aider. الآن كيف نقول حاولت إقناعهم بالحضور معنا أو المجيء معنا لكن دون جدوى. Oui, très bien. J'ai essayé de les convaincre de venir avec nous, mais en vain. J'ai essayé de les convaincre de venir avec nous, mais en vain. On a le verbe essayer, معناه يحاول, le verbe convaincre, معناه يقنعو, le verbe venir, معناه يأتي, en vain, يعني بدون جدوى. J'ai essayé de les convaincre de venir avec nous, mais en vain. الآن كيف نقول أنت تقضي وقتك في التصرف بشكل سيء مع الناس كيف تتوقع منهم أن يثقوا بك؟ جملة طويلة خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Tu passes ton temps à mal agir avec les gens. Comment veux-tu qu'ils te fassent confiance? Tu passes ton temps à mal agir avec les gens. Comment veux-tu qu'ils te fassent confiance? On a le verbe passer, معناه يقضي أو يمضي. On a le verbe agir, معناه يتصرف. Et le verbe faire qu'il te fasse conjugué au subjonctif présent. Tu passes ton temps à mal agir avec les gens. Comment veux-tu qu'ils te fassent confiance? On peut dire aussi, tu passes ton temps à te comporter mal avec les gens. Comment veux-tu qu'ils te fassent confiance? Dans cette phrase, on a le verbe se comporter, معناه كذلك يتصرف. Tu passes ton temps à te comporter mal avec les gens. Comment veux-tu qu'ils te fassent confiance? Une autre phrase. أنا أحب أن أسترخي يعني أن أستريح في المنزل بعد يوم طويل في العمل. Oui, très bien. J'aime me détendre à la maison après une longue journée de travail. J'aime me détendre à la maison après une longue journée de travail. On a le verbe se détendre, un verbe pronominal, فعل مركب معناه يسترخي أو يستريح. J'aime me détendre à la maison après une longue journée de travail. On peut dire aussi j'aime me reposer à la maison après une longue journée de travail. Ici, on a le verbe se reposer. كذلك فعل مركب معناه يستريح. J'aime me reposer à la maison après une longue journée de travail. الآن أصدقائي استمعوا جيدا لهذه الجملة. Je suis désolée, mais je dois partir maintenant. Je suis crevée. Je suis désolée, mais je dois partir maintenant. Je suis crevée.
Voilà la phrase. Je suis désolée, mais je dois partir maintenant. Je suis crevée. On a l'adjectif crevé. معناه مرهق. هذه الكلمة أو هذه الصفة تستعمل في اللغة العامية, le langage familier. كنا قد رأيناها سابقا. Je suis désolée, je dois partir maintenant, je suis crevée. يعني أنا آسف لكن علي أن أذهب أو أن أغادر الآن, أنا مرهق. Je suis désolée, mais je dois partir maintenant, je suis crevée. كيف نقول؟ هي ذهبت لتستلقي لفترة يعني للحظة. كانت متعبة قليلا. Elle est allée s'allonger un instant. Elle était un peu fatiguée. Elle est allée s'allonger un instant. Elle était un peu fatiguée. On a le verbe s'allonger, معناه يستلقي, un verbe pronominal. Instant, يعني لحظة أو فترة. Elle est allée s'allonger un instant, elle était un peu fatiguée. On peut dire aussi, elle est allée s'allonger un moment, elle était un peu fatiguée, c'est la même chose. الآن كيف نقول؟ حاولت تدوين جميع النقاط المهمة لكني غير قادر على الكتابة بسرعة. Oui, très bien. J'ai essayé de noter tous les points importants, mais je suis incapable d'écrire aussi vite. J'ai essayé de noter tous les points importants, mais je suis incapable d'écrire aussi vite. J'ai essayé de noter tous les points importants, mais je suis incapable d'écrire aussi vite. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال يوم يقول ليس لدي خيار آخر يجب أن أفي بوعدي هذه المرة. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي كما العادة لكتابة الإجابات في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم.